La durée de la vie elle-même, la durée de ta vie et la durée de la vie en général. On fait face à de l'incertitude dans tout. Et c'est pour ça que c'est important d'être rationnel, puis c'est important de faire des recherches. Puis malgré ça, tu n'es jamais certain sur quoi tu vas tomber, sur quelle conclusion, à quelle conclusion tu vas arriver. Que ce soit dans le changement climatique, on en parle beaucoup ici, vers quelle direction on s'en va. Un réchauffement, un refroidissement. Pas vraiment maintenant d'éléments qui peuvent nous permettre de conclure dans une direction ou dans l'autre. Et c'est comme ça dans presque toutes les décisions que tu as à prendre dans la vie. Tu n'es jamais certain à 100% que tu prends une bonne décision, mais à un moment donné, il faut que tu agisses. Et là, on est face à un dilemme. Est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement ou un réchauffement Mais entre vous et moi, que ce soit un ou l'autre, on ne parle pas de quelque chose de vraiment euh, majeur et dramatique. Un demi, un degré. Je veux dire une chose, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans ta vie, puis qui va faire en sorte que tu vas avoir besoin d'une petite veste de laine au mois de juillet, ou vice-versa. C'est rien de majeur. Il y a des périodes dans l'histoire de, de, de la Terre où il y a eu des changements. Beaucoup plus brusque de plusieurs degrés, 5, 6, 7, 8 degrés de plus ou 5, 6, 7, 8 degrés de moins. Donc, malgré tout, qu'on s'en aille dans une direction ou l'autre, il y a des bonnes chances que le résultat final ne soit pas si dramatique que ça, pas pour tout le monde, parce que encore là, dépendamment des régions dans lesquelles tu vis ou on est situé dans le monde, tu auras des conséquences différentes. Pas parce qu'ici, il y aura une soit-augmentation d'un demi-degré, qu'il n'y aura pas des impacts majeurs dans d'autres régions beaucoup plus graves. Et c'est comme ça euh, depuis le début, puis ce sera comme ça probablement jusqu'à la fin. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment euh, plus important, je pense, plus grave, et c'est le champ géomagnétique de la Terre. Et là encore, on fait face à beaucoup d'incertitudes. On en parle beaucoup, vous en parlez beaucoup, vous m'envoyez beaucoup de liens là-dessus, dont la fameuse anomalie de l'Amérique du Sud, entre autres. Et j'ai fait quelques petites recherches et tu vois encore là qu'il y, y a deux espèces d'écoles de, de pensée, deux camps, mais ni un ni l'autre est vraiment certain de ce qu'il avance pour l'instant. On sait qu'on assiste à un changement, on sait qu'il y a un changement qui va euh, se produire. Dans ce changement, de pôle magnétique. Et ça, c'est pas rassurant. Donc, j'ai un premier lien qui vient de SeaTech Daily, 31 mars. Ben, ça a été publié le 24 novembre 2015. L'intensité du champ magnétique de la Terre est le double de la moyenne historique, selon euh, ce que nous rapporte le mythe. Le mythe qu'on peut aussi, euh, dans ces travaux, prendre avec des pincettes, puis comme un grain de sel. L'intensité du champ magnétique de la Terre a chuté au cours des 200 dernières années à un rythme que certains scientifiques soupçonnent de provoquer un creux du champ dans 2000 ans, laissant temporairement la planète sans protection contre les particules chargées dommageables du Soleil. Cette baisse d'intensité est associée à des inversions périodiques du champ géomagnétique dans lesquelles les pôles magnétiques nord et sud de la Terre inversent la polarité et elle pourrait durer plusieurs milliers d'années avant de revenir à une intensité de blindage stable avec un champ géomagnétique affaibli un rayonnement solaire accru pourrait endommager l'électronique des stimulateurs cardiaques individuels au réseau imaginez-vous électrique entier et pourrait induire des mutations Génétique. Une inversion peut également affecter la navigation des animaux qui utilisent le champ magnétique terrestre comme boussole interne. Ça aussi, je vous en ai souvent parlé. On a vu récemment beaucoup euh, de témoignages de gens, de biologistes, qui ont vu des poissons, par exemple, dans l'hémisphère nord, qui sont des poissons de l'hémisphère sud. Et vice-versa, mais ça donne euh, comme L'impression que ces poissons-là se sont euh, fait piéger par justement un changement de polarité. Mais selon une nouvelle étude du mythe dans les actes de la National Academy of Science, le champ géomagnétique ne, ris ne risque pas de basculer de si tôt. Les chercheurs ont calculé l'intensité moyenne et stable du champ de la Terre au cours des cinq derniers millions d'années et ont constaté que l'intensité d'aujourd'hui est environ le double de la moyenne historique. Cela indique que le champ euh, L'intensité du champ actuel a un long chemin à parcourir avant d'atteindre un niveau instable qui conduirait à une inversion. La Terre a subi de multiples inversions géomagnétiques au cours de sa vie, inversant sa polarité à des intervalles aléatoires. Ah, tiens, déjà, ils nous disent que c'est aléatoire. Parfois, vous n'aurez pas de flip pendant environ 40 millions d'années. D'autres fois, il y aura un flip où il y aura 10 flips en 1 million d'années, dit Wang, en moyenne, la durée entre deux flips et de quelques centaines de milliers d'années. Le dernier flip remonte à 780 000 ans. Donc on est en retard. Donc nous sommes en retard pour un flip. Donc voyez-vous, ils disent qu'on n'aura pas de flip. <laughs> et en même temps, ils disent qu'on est en retard. Ça m'amène à un autre lien qui est rapporté par CTV News du 16 juin 2020. Et on nous disait... À ce moment-là, il n'y a pas si longtemps, l'an dernier, le champ magnétique terrestre s'affaiblit et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Comprends-tu? Toronto, une mystérieuse anomalie provoque l'affaiblissement du champ magnétique terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Afrique et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Les données recueillies par l'Agence spatiale européenne et publiées en mai indiquent que la zone touchée, connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, a vu la force magnétique s'affaiblir de près de 9% au cours des 200 dernières années. Il y a beaucoup de spéculations sur ce phénomène, mais selon Paul Delaney, professeur d'astronomie et de physique à l'Université York, l'anomalie pourrait être causée par une inversion régulière du champ magnétique terrestre. <laughs> si vous parcourez les données géologiques, vous pouvez enfin, en fait cartographier très facilement le champ magnétique américain. En fonction du temps, nous savons que les pôles, not, nos pôles nord et sud, se retournent magnétiquement tous les 500 000 ans en moyenne, a expliqué Delaney à l'émission Your Morning de CTV, mardi dernier, mais on était en 2020. Il a ajouté que la dernière inversion du champ magnétique remonte à 780 000 ans, donc là-dessus on s'entend. Delaney a déclaré que la mesure actuelle du champ d'affaiblissement peut suggérer que la Terre est sur le point de subir une inversion, mais c'est peu probable. Donc ça c'est vraiment le... Le tout et son contraire dans la même phrase. Le problème ici est le, que le mécanisme, génère ce champ le mécanisme génère ce champ magnétique et pourquoi il s'inverse, c'est un type d'événement aléatoire. Ah, encore là, on s'entend. Cela ne se produit pas périodiquement, nous ne pouvons donc pas vraiment dire que cet affaiblissement est un précurseur de l'inversion réelle. Il peut l'être, il peut mais ce n'est pas probablement le cas. On parle vraiment comme des politiciens ici. Maintenant, la NASA, des chercheurs de la NASA, suivent une dent qui se divise lentement dans le champ magnétique terrestre, 17 août 2020. Hein? Le champ magnétique terrestre agit comme bouclier protecteur autour de la planète, repoussant et piégeant les particules chargées du Soleil. Mais sur l'Amérique du Sud et le Sud de l'océan Atlantique, un point inhabituellement faible sur le terrain, appelé anomalie de l'Atlantique Sud, Permet à ces particules de plonger plus près de la surface que la normale. Le rayonnement de particules dans cette région peut assommer les ordinateurs de bord et interférer avec la collecte de données de satellites qui la traverse. Une des principales raisons pour lesquelles les scientifiques de la NASA veulent suivre et étudier l'anomalie, donc cette fameuse anomalie, semble vraiment inquiéter. Tout le monde, l'anomalie de l'Atlantique Sud découle de deux caractéristiques du noyau terrestre, l'inclinaison de son axe magnétique et le flux de métaux fondus dans son noyau externe. Donc, la Terre est un peu comme un barreau magnétique avec des pôles nord et sud qui représentent des polarités magnétiques opposées et des lignes de champ magnétique invisibles encerclant la planète entre eux. Mais contrairement à un barreau magnétique, le champ magnétique. Ou euh, du noyau n'est pas parfaitement aligné à travers le globe, ni parfaitement stable. C'est parce que le champ provient du noyau externe de la Terre fondue, riche en fer et en mouvement vigoureux à 1800 000 sous la surface. Ces métaux agités agissent comme un générateur massif appelé géodynamo, créant des courants électriques qui produisent le champ magnétique au fur et à mesure que le mouvement du noyau change avec le temps en raison de conditions géodynamiques complexes à l'intérieur du noyau et à la frontière avec le manteau solide au-dessus le champ magnétique fluctue également dans l'espace et dans le temps ces processus dynamiques dans le noyau ondulent vers l'extérieur vers le champ magnétique entourant la planète euh, et générant le fameux euh, hein, euh, la fameuse anomalie de l'Atlantique Sud apparemment Maintenant, je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la boîte de description. On termine avec euh, une sept sur sept hein, euh, énigme là, si on veut, et le tout et son contraire et les deux écoles de pensée avec Berkeley qui nous dit que le champ magnétique terrestre pourrait basculer au cours d'une vie humaine. Hein? Ce n'est pas aussi bizarre que cela puisse paraître. Le champ magnétique terrestre a basculé, mais pas du jour au lendemain. À plusieurs reprises au cours de l'histoire de la planète, son champ magnétique dipolaire, comme celui d'un barreau magnétique, reste à peu près de la même intensité pendant des milliers à des millions d'années. Mais pour des raisons incomplètement connues, il s'affaiblit parfois et vraisemblablement sur quelques milliers d'années change de direction. Maintenant, une nouvelle étude menée par une équipe de neuf... Par une équipe de scientifiques, plutôt en Italie, de France, de l'Université Columbia et de l'Université Californienne à Berkeley, démontre que la dernière inversion magnétique, toujours hein, avec le même chiffre, 786 000 ans, s'est en fait produite très rapidement, en moins de 100 ans. Waouh! À peu près une vie humaine! Et c'est incroyable la rapidité avec laquelle nous voyons ce renversement, déclaré Courtney Sprain, étudiante, étudiante diplômée de l'Université Berkeley. Les données paléomagnétiques sont très bien réalisés. C'est l'un des meilleurs enregistrements que nous ayons à ce jour sur ce qui se passe lors d'une inversion et sur la rapidité avec laquelle ces inversions peuvent se produire. Zz. Donc, un flip pourrait affecter le réseau électrique et les taux de cancer. J'en parle souvent. On est parlé souvent de l'augmentation hein, euh, de la radiation des euh, particules radio euh, de, qui nous provient, les, qui proviennent de... De l'espace et du soleil, hein? et euh, peut-être les conséquences sur la santé. Bien là, la découverte intervient alors que de nouvelles preuves indiquent que l'intensité du champ magnétique terrestre diminue dix fois plus vite que la normale, ce qui conduit certains géophysiciens à prédire un renversement d'ici quelques milliers d'années. Bien qu'une inversion magnétique soit un événement majeur à l'échelle de la planète provoquée par la convection dans le noyau de fer de la Terre, il n'y a pas de catastrophe documentée associée aux inversions passé malgré de nombreuses recherches dans les archives géologiques et biologiques aujourd'hui. Cependant, une telle inversion pourrait potentiellement faire des ravages dans notre réseau électrique, générant des courants qui pourraient le faire tomber. Donc l'augmentation depuis à peu près 3-5 ans, selon toutes les collectes de données des, euh, de la, des radiations euh, cosmiques, hein, on en parle souvent de 19%, euh, c'est très significatif et comme le champ magnétique terrestre protège la vie des particules énergétiques du soleil et des rayons cosmiques galactiques hein, dont on parle qui peuvent tous deux provoquer des mutations génétiques un affaiblissement ou une perte temporaire du champ avant une inversion permanente pourrait augmenter le taux de cancer. le danger de mort serait encore plus grand si les retournements étaient précédés de longues périodes de comportement magnétique instable. nous devrions réfléchir davantage à ce que seraient les effets biologique, Wow! Donc, je prends une seconde pour euh, juste constater que le cancer c'est devenu la, une des premières causes de décès dans nos sociétés civilisées, hein, entre autres. Donc, il y a le mode de vie, l'alimentation, mais si on est en, selon toute évidence, on pourrait être en pleine euh, période d'affaiblissement du champ magnétique. Et ça, c'est des chercheurs, c'est pas des comme, dirait, euh, comme on dirait ici au Québec, ce n'est pas des deux de pique, hein? ce n'est pas des oui, c'est des... des scientifiques d'Italie, de France, de l'Université Columbia et Berkeley. Le fait d'avoir une augmentation des rayons cosmiques galactiques et un champ magnétique qui s'affaiblit, ça a une incidence sur la santé et ça pourrait faire augmenter les taux de cancer le danger de mort serait encore plus grand si des retournements étaient précédés de longues périodes de comportement magnétique instable. En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous êtes assez grand pour faire de la lecture. Vous savez comment traduire parce que les liens sont en anglais. Tu peux juste te faire traduire avec Google Chrome. Puis, fais ta lecture. Puis, tire tes conclusions. Mais avant de tirer des conclusions... Puis avant de raconter n'importe quoi, il faut toujours faire des recherches. Puis s'en tenir toujours à ce que la science raconte. ne peut pas écouter Joe Blow du coin de la rue. Je vous reviens.